Daikam. Je suis l'homme qui mine le monde. Oh, sans disant. What? What? The fuck? Sérieusement? La fuck? Si vous le voulez, venez me chercher. Inutile. Vous allez à la machine. Et une fois là-bas, je vous attendrai. J'étais déjà motivé à lui péter la tête, mais si en plus il a élite. Trop. Ah ouais, je sens. Merde, oui, d'accord, dégage. Oui. Oh, putain. Oh. Ah oui, je vais augmenter la précision de mon bordel parce que c'est franchement la merde. En fait, mon viseur c'est un point, ça tire n'importe comment. C'est n'importe quoi. Je tire une fois, ça détruit tout ce qu'il y a sur la map sauf sur le point. Mais c'est ça quoi. Tuez-le! What? Les mecs ils sont doués, tu sais, ils avaient un point à surveiller, le mec il arrive par ce point. Et il meurt. Tous. Oh bah, hein. Ah ouais. Ok, et maintenant. Trois réceptacles, trois statues, trois symboles. Trois mères. Comment en finir? Comment en finir, mec? T'es vraiment ingénieur? T'as vraiment réussi tes études d'ingénieur? Non. T'es aussi con que ça? J'ai eu des problèmes. Après, faut les mettre dans le bon ordre, tu sais. Mais on en a qu'un là. Ouais, mais tu peux le mettre en première ou en deuxième position là. Ouais, mais Oh, et je me demande, c'est pas de. Genre, tu sais, il y avait trois combinaisons. Une qui faisait guerrier, une qui faisait finale et une qui faisait sacrifice. Oh. What? Douleur. Il y en avait une qui faisait guerrier, une qui faisait finale, une qui se fait sacrifice, c'est peut-être ça, non? Ce qui fait trois fins différentes. Je spécule. Et maintenant, trois réceptacles, trois statues, trois symboles. Parce que selon que tu la mettes au début, comment à la fin, finir? Ça peut faire des combinaisons différentes avec les glyphes. Peut-être, ouais. Sûr de vouloir la mettre là. Ah non, pas ah ouais, tu peux pas choisir? Ok. Non. Ok, j'ai moins peur. J'ai moins peur d'un coup. Trois fins différentes, mec. Ah ouais d'accord, il y a des espèces de kamikazes avec des jeux. Les mecs ils volent, tu sais pas pourquoi. Genre le mec j'ai arrêté de le frapper, c'est l'embrasement qui l'a tué et il s'est envolé. La genre... physique. Ah, un embrasement. Un point faible. Bah les Mésis. Et c'est les trois mêmes combinaisons à chaque fois. J'ai le troisième. Ok. Je t'attends, bébé. Je te l'envoie. Vas-y. Ah, il est où? Il est là. Assou, fais du tour. Vas-y. Une autre porte. Ah, ah. Nous devons être proches des commandes du Codex. Nous avons suivi les instructions de Cyrano. Allons-y. On monte. On monte. Okay. Tout en haut de la tour, c'est parti. Ah bah oui. What? Ah ok. Allez. Ok.
Bouge ton derrière, Isaac. Chut. Ah non, 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 bah je l'ai pas maintenant là. Ah. Maintenant. Je crois pas. What? T'es mort? Je t'ai suivi. T'as réussi à passer, moi je suis mort. Moi je suis très bien passé, hein. Hi-ha! Ok, let's go, partner. Oui. On n'aura jamais, fait autant d'escalade ensemble. C'est clair. Ah, mais vite. Ah non. Non. T'as réussi à passer? Ouais. Comme un héros. Shit. Avec du... On attend que la dent passe. Ah oh, shit. Putain, ça reste de l'éternité là. Ah. 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 Non. Pourquoi tu l'as restasé? Ah, tu peux passer en dessous de la dent? Ok, c'est cheaté! Enfin, cheaté, non, mais. Plus simple que ce que je pensais. Enfin, cet angle de caméra, j'arrête pas de tourner la tête. Ah ouais, moi aussi, merde! Ouais, pipéné. Ah bah non, je suis là aussi, oh. Hein, hein. Le code. Il prend Ellie. Isaac, ne fais pas ça. Ne l'écoute pas. Donnez-moi le codex et je vous la rendrai. Non. Oh là, non. L'enjeu est trop important. Bon, tout le monde se calme, ok? Yannick, donnez-moi le codex. C'est simple, une balle dans la tête, quoi. Je vais la descendre. Non. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites? C'est votre dernière chance. S'il arrête la machine, on meurt tous. Elle, nous, tout le monde. Vous devez faire ce qui est juste, Isaac. Il y a toujours une issue. Non. Ok. Ah ouais. Salut. J'ai enfin réussi. C'est la fin des ténèbres. Que l'évolution commence. Oh, on se fait en une taille. Notice me. Prends le codex, on se casse. Ellie, je vais en finir. Tout va sauter, moi compris. Tu dois partir. Non. Partez tous les deux, retournez sur Terre, avertissez-les. Moi je reste, j'ai rien d'autre. Oh, Carver. Pas sans mon aide. Anti-monolithe, c'est moi. Baisse-moi. Je me suis enfui. Non. J'ai plus peur maintenant. Il y a une navette. Je veux que tu la prennes et que tu rentres. Il y aura au moins une. Le ça. Bisou. Le bisou. Le bisou. A mon tour, à mon tour. On peut la scène de l'aide. Tu sais que je ne rentrerai pas. Eh, moi j'en ai pas. Hein.
Sinon t'aurais pas pu m'expliquer comment faire. Je l'aurais fait. Au moins Ellie est en vie. Enfin, on sait rien au final, mais elle a plus de chance que nous. Clairement. Ah bah oh, la machine elle vole. Nouvel objectif, atteindre la machine. Go 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 go. Oh merde, c'est la machine. Faut qu'on l'atteigne avant la lune. Vite, faut qu'on l'atteigne avant la lune. Mais la lune court très vite. Par où? Par là. Je n'ai pas le temps de voir la lune en entier. Ah, la lune, elle est où? Ah, elle est à plafond. Tellement de monolithes partout. Tellement de monolithes partout. Il y a monolithes dans un monolithe, c'est monolithes la chaîne. Du coup c'est plus les monolithes, c'est des pluridites. C'est la meilleure de la vie. Non non mais c'est bon là. Ah je peux pas passer là. Ah par ici. Ah non pas par ici. Par où? Par là. Ah d'accord. Hey. Il y a un super ascenseur de la mort. Vite. Super ascenseur de la mort. Le moulin de béton. Oh, allez là. Slow-le. Ah, attends. Ah. Qu'est-ce que vous faites là? Allez, on fait avec eux. C'est la fin du monde, hein. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. On la baffe. Oh, awesome. Occupe par une poutre en métal. Ok. Ah oh, shit, je pensais que... Ah. Ça fait une grosse merde. Je pensais que c'était parti loin, tu sais. Noël. Zack Samson. Ok. Parce que là, on est bon. Plutôt pas mal. Faites attention à la petite baffe. Et de nul.
obstacle. Fais attention à la plaque en haut. Voilà. Ok. Notre. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Dans ce monde de désespérance et de désolation, l'établi, le dernier établi encore vivant. Mais je serais parti avant. Alors. Ça va? Pas trop stressé? Ah, ça va! Mulrogan! Yep! Mulrogan! I'm right here, bro! Nous avons besoin de toi! Je suis là! À gauche. Plus jamais je t'écoute. Plus jamais. Here we go again. That's phase wow. three. That's ah. phase three. That's phase three. Whoa! Whoa! C'était chaud la saucisse. Jet, jet. Ok, ok. Oh, je le sens tellement pas. Shit. Je vois shit. Pas, je vois rien. What the fuck is happening here? Wouhou! Épique! Un œil! Tirez dans l'œil! Tirez dans l'œil! Deux yeux! Un seul kraken! Il a l'air très intelligent! J'essaye.
toutes les munitions. Ok. Chargé. Faites gaffe, il est en train de nous envoyer des gros rochers. Ouais, c'est ce que je vois. Ok. Eh, hey, je reprends mon monolithe. Shit. Meurs. Tentacles. Ok. Il cache son œil de l'autre côté. Hein. Quoi? Il cache son œil, c'est chiant. Là! Shit. Là, à droite, là. Là, 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 là. Oh! Reviens ici, monolithe! Merde. Shit! J'ai peut-être presque. Faire ça! Ok. Vite, des monolithes. Où est-ce qu'il y a des monolithes? Je suis confesse. Vas-y, vas-y. Ouais. Plus qu'à l'œil, je crois. Wow. Là, il y a son œil. Tu l'as eu? Shit. Bah. Ouais. Oh non. Ah fuck. Yeah. Isaac, faut qu'on rejoigne Lilo où se trouve la machine. Le codex est là-bas. Il n'y a aucune voie. Attendez. Ah, on peut faire la télékinésie. Restez sur le support télékinésique pour le faire glisser. Dépêchez-vous, faut profiter de son reste. Il est à nous. Il est à nous. À nous. T'as cassé? Yay! Qu'est-ce qui se passe? Ah, on a fait gerber, mais un bord. Hein. On a cassé, y'a plus de lumière. Oh, yeah, 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 yeah! Allez, Isaac! Va ta jojote! On va sauver le monde! Alors, c'est ça, on se sert du codex. C'est fini les gars. Oh attends, moi dans cet état. Adieu. On meurt. Pour sauver le monde. Compris. Ah ok. Yeah. Oh. Et voilà.
parti. You did it! You did it! Tu as réussi! C'est gagné! Ouais. Système solaire confirmé. C'est pas l'hiver, c'est tout. On attend. Elle s'en va. Bah, maintenant que tu veux qu'elle fasse, qu'elle attend jusqu'à ce qu'elle meure. Ok. Alors, Carver est mort, Isaac est mort, Ellie est en vie, et y a plus de monolithe activé. Ok. C'est un gros tournant. Oh la musique! La papa! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Elle a fini Dead Space 3. Ouais. We did it, bro. Un peu des bons, ouais. Un peu des partenaires. Ouais, quand même des partenaires assez performants, j'ai envie de dire. Et ils sont tous ingénieurs, t'as vu? Je crois que c'est pas faire C'est de la balle, je vais mettre ça dans mon CV, tu sais. Bonjour, je suis ingénieur complémentaire. Ces mecs sont bien ingénieurs partout. Mais c'est trop classe. Je veux un type comme ça dans mon CV, quoi. Que des Isaac. Genre, je suis pas game designer, je suis ingénieur designer. Ouais, en tout cas. GG. Enfin, si la série continue, ça va être un gros tournant, je pense. Mm-hmm. Si la série continue pas, c'est un bon point de finalité, je pense. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais. Ouais, là, le... Après, on peut se poser la question de comment l'humanité va s'en remettre, mais c'est plus ou moins lié au monolithe et à toutes ces choses-là, donc c'est assez différent. Par contre, j'avais pas compris le... Avant qu'on fasse tout péter... Carver, il faisait « Je vais y aller, vous retournez sur Terre pour les prévenir. » Mais les prévenir de quoi? Là, c'est peut-être le seul truc que j'ai pas vraiment compris. En même temps, on a pas trop écouté les messages audio et tous ces trucs-là, donc... Bah, quand même pas mal, parce que tu regardes par exemple
les trucs mythologistes, on les a quand même tous retrouvés, et je pense qu'on en a retrouvé pas mal des autres branches aussi. Ouais, on les a trouvés, après, est-ce qu'on les a lus Bah, la plupart, ouais. Ouais, je suis pas convaincu. Je pense pas que ce soit... Je pense pas que ce... Bah, tous ceux des derniers chapitres, en tout cas, on les a lus. Ouais. Et je pense pas que ce soit le petit message du début du chapitre qui va donner signification à la phrase prononcée par Carver tout à la fin, quoi, donc... Je sais pas. Ouais. Bah, je pense... On fera quelques recherches pour voir si c'est un 4. Hein. C'est ça. Quel jeu est cool et ils ont toujours une bonne esthétique au niveau de, bah, des couleurs et des lumières. C'est ce que je retiens à chaque fois dans, dans les Dead Space. C'est le truc qui me plaît le plus graphiquement, on va dire. Notamment entre les oranges et les bleus où ils arrêtent pas. Ouais. Ouais, c'est ouais. Vraiment cool. Puis bon, le gameplay, c'est le gameplay qu'on connaissait. Ça y est, c'est sympa. Et avec en plus. Y'a pas de nouveauté ce côté-là, mais. Ouais, c'est ça, c'est surtout le côté customise ton arme. Et... Ouais, ça, c'est vraiment un gros ajout. Ouais. C'est tout ça qu'ils ont rajouté. Dans des établis où l'on t'a perdu des heures durant. Non, c'est clair. Alors, ça manque à des stats, quand on passait sur un établi. J'aurais dû faire un compteur. Oui, un truc abusé, c'est toutes les ressources que tu ramasses. Ben, ouais, au début, t'en as un nombre... Ouais, c'est raisonnable, normal, mais après, quoi. Le nombre... En même temps, après, faut se dire qu'on a fait toutes les quêtes annexes qu'on a trouvées, on a fouillé pas mal quand même, enfin... Ouais, ouais, c'est vrai. On n'a pas passé 10 ans par salle, mais on a quand même été plutôt performant, je pense, niveau recherche, quoi. Ouais. Sans compter toutes les... Enfin, le côté lassie chercheur de trésors avec ton mecha. Je pense que c'est normal qu'on ait fini par être pété de ressources par rapport à ça. Le tout en mode normal, donc... Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est plutôt cohérent par rapport à ça. Et... Bah, on a eu la reward à la fin d'être... Enfin, de pouvoir faire 80 chargeurs si on voulait, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Moi, j'en suis pas trop rendu compte pour les chargeurs, parce que mes armes, elles utilisaient pas beaucoup de munitions, mais... Mienne, elle bouffait, mais à mort. Ouais, j'ai un marqué. Toi, quand tu te plaignais que t'as plus de chargeurs, j'en avais encore 200 dans mon inventaire. En même temps, j'y allais comme un bourrin avec, mais c'est vrai que quand j'ai... Surtout quand on a eu les circuits... de Nitalog, voilà. Pour la cadence de tir, c'est devenu une Gatling, mais horrible niveau consommation. Par contre, ouais, bah, du coup, on pouvait faire autant de trucs qu'on voulait avec les ressources qu'on avait. Et ouais, c'est pas mal, parce que vu qu'à la fin, ça accélère niveau rythme, c'est pas plus mal que, qu'on puisse, si on a envie, se mettre à courir et se dire on a assez de ressources de toute façon. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'avais eu la même chose pour Bioshock 2, à la fin de Bioshock 2, à partir du moment où j'avais trouvé la fille du perso principal, où j'ai juste eu envie de courir pour la sortir de là. Oui, oui. À Bioshock 2, faut que je refasse aussi, il est sympa celui-là. Ouais. C'est quand même vraiment cool. Ça m'a un peu marqué quand même, parce que j'ai du mal à me dire que c'était fini. Alors qu'au final, bon, on a fait ça en quelques semaines, quoi. Ouais, c'était une belle aventure. Mais... qui se finit. J'ai du mal à me dire que je suis plus Carver. Et... avec tes casse noisettes creepy. Ça, je suis content de plus en avoir, par contre. J'ai hâte de les voir, ceux-là. L'ascenseur à la première mission annexe de Carver. Alors, je sais pas exactement comment ça s'articule, mais j'ai l'impression que c'est t'as certaines missions secondaires que tu peux avoir que en coop. Oui, 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 bah les missions Carver, c'est que en coop. Hein. Voilà, et c'est celle-là, ouais. Mais... Bon, en solo, apparemment, t'as plus d'hallucinations d'Isaac et tout, plus de d'accord. trucs à ce côté-là. Et je vais le refaire en solo, en entier, pour voir ce que ça donne. Moi, je sais pas, il y aura peut-être un moment donné où je vais avoir envie de me refaire la trilogie ou un truc comme ça. Ouais. Je vais finir par replonger dedans, mais ce sera peut-être pas tout de suite. Ouais, c'est histoire que... de digérer un peu et de revenir dessus après. Ouais. Bah, les Dead Space et les Bioshock, c'est deux séries qui me plaisent vachement, personnellement. Je suis content que t'en parles, là, aussi.
Bioshock en même temps, ouais, c'est... Bah, Dead Space, Bioshock, c'est des séries que j'aime beaucoup pour... Bah, déjà, pour... Parce que quand ils jouent, voilà, ça se tient, quoi, ça marche bien, enfin, perso, je m'amuse bien, en tout cas, en y jouant. Et à côté de ça, ils ont des principes de narration qui sont super intéressants, ils passent beaucoup de choses par le décor, par les messages, ce genre de choses, mais t'es pas obligé forcément de trouver tous les messages pour t'amuser ou découvrir l'histoire. Ouais, ça marche plutôt bien. Et les interfaces de Dead Space restent parmi mes préférées en termes de menus vivants. Je me souviens quand le premier Dead Space est arrivé, on était tous en mode « Waouh !» Quand t'as ouais. Le menu, ça a une place dans l'univers. C'est pas juste quelque chose qui te coupe de ton expérience de jeu. Enfin, ça te coupe pas vraiment parce que ça y participe, mais c'est pas quelque chose qui est extra-diégétique, donc il y a pas de place dans l'univers de jeu. C'est quelque chose qui est vraiment inclus dedans, qui est cohérent avec la combinaison d'Isaac et toutes ces choses-là. Tu sors pas du... Tu sors pas du rôle d'Isaac, ouais. Ouais, du coup, c'était une série qui m'avait beaucoup plu pour ça à la base, et pour son ambiance qui était pas mal aussi. C'est assez rare, mais c'était à ce moment-là où même le DVD, je l'avais pris pour le film qu'ils avaient fait. Ah oui, le DVD. qui est pas ouf, mais qui est rigolo et sympa à regarder. Ouais. Bien gore sur certains passages. Ouais, ouais. Je sais pas ce qu'ils ont fait de d'autres jeux liés à Dead Space, un peu en périphérique. Ça m'étonnerait pas. Bah, t'as le Rail Shooter déjà. Ouais, ouais. Il y a même des micro-jeux de hacking sur fond scénario. Ouais, c'est pas étonnant, ils en font pas mal. En plus, Electronic Arts, que ce soit pour Dead Space, Mass Effect, Dragon Age. C'est bien les petits add-ons à côté, quoi. C'est ça, ça balance. Ça balance à côté, ça fait participer, genre si t'es pas sur ton PC ou si t'as pas ta console à portée, ben t'as ton appli Facebook où tu peux faire... Tu sais quand même sortir, tu vas rentrer dans l'univers quoi, à ta façon. C'est ça. C'est sympa. Oh mec, on l'a fait. Par contre c'est genre une espèce de démystification des monolithes la fin. Le boss de fin m'a bien plu parce que, bah voilà quoi, quand tu te souviens du boss de fin du premier Dead Space, t'es content que ça change un peu. C'est clair. Ouais, le boss de fin de celui-là, je l'ai trouvé pas mal. Pour une fois, je dis ça d'un boss de fin. Ouais, j'ai pas trouvé poutrant le boss de fin non plus. Bah, j'ai trouvé sympa dans la mesure où t'as les combats de base qui sont dedans, puis après t'avais quelques patterns différents, genre avec les tentacules et tout ça. J'aurais bien aimé qu'il y ait une deuxième phase. Genre des phases après avec encore d'autres choses différentes. Mais disons que pour une phase de boss, ça m'a plu comme idée. Mais c'était une grosse démystification des monolithes avec je prends un monolithe, c'est un projectile et je le balance. Oui oui. Mais même après, au début t'as tout un effet de monolithe autour des gens et tout. Là c'est un petit effet sur Carter, mais c'est tout. Bon, voilà. Et après t'en avais partout, c'est mais genre rien à foutre. Avec Carter t'avais le côté monolithe sur les missions annexes. Tu verras dans les vidéos, mais quand je répondais plus, quand j'étais plus vraiment avec toi, c'était assez. Enfin, c'était le côté monolithique, quoi, vraiment. À côté de ça, ouais, c'est... Au bout d'un moment, il y avait tellement de monolithes partout sur la nouvelle planète, ce genre de choses. La première phase, j'ai l'impression que c'est beaucoup la réaction des gens par rapport aux monolithes, en termes de société. Où, là, ils ont pété un câble, quoi. Et après, il y avait tellement de monolithes partout que forcément, tu perdais un peu l'effet du « il y a un monolithe » et tout ça. Ouais. Ouais, bon. Oui, quoi. Comme tu dis, ça te mystifie. Ils sont d'accord avec la NASA pour les images de la Terre. La balle. Oh, on a fait. T'as vu la fin de ce jeu susceptible de contenir de la publicité. J'en ai pas vu pourtant, ça me. Monolith. Alors, la boisson énergisante. C'est possible que j'ai mal lu, mais. Voilà. Ah, voilà. Oh. C'est qui ça? C'est Isaac. Tu crois? Mais oui. On entend ta scie en arrière. Ok. D'accord. Isaac n'est donc pas mort. Ouais, mais il flotte dans l'espace ou qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y avait pas son casque ni rien. Ouais.
Bon, tu me diras, il avait déjà dans le jeu à un moment donné pas son casque dans l'espace et ils en foutaient un peu de ouf. Tenue légende de Dead Space disponible à l'essayage, trop cool. Kit de circuit, REC plus 3. Cap plus 3. Si t'as envie de t'amuser, ça. C'est ça. Ok! Ok. Oh, la fille Dead Space 3. Merci, Zaza! C'était filé. Cool. Parce que je devais rejoindre ASA vers 17h. On l'aurait filmé plus vite, et là il est 20h. Je me sens un peu coupable. Pas mal. Juste avant que tu partes, j'aimerais remercier tous les gens qui nous ont suivis pour cette aventure. Ouais, bah oui. Ah, merci c'est à cool. vous d'avoir regardé. Puis on espère que ça vous a plu. Ah oui. Beaucoup. On se reverra pour d'autres vidéos, plein d'autres vidéos. Ouais, et nous ça nous a plu. Oh oui, ça. Le prochain Lost Planet 2. Ah, ou bien prochain, un autre, mais... on verra. À voir. Le prochain, on verra. Je peut-être fais... faire une petite pause sur les planètes gelées. On pourrait se faire un petit Borderland aussi, si possible. Ah, on verra, on verra. Il y a un peu de neige, mais c'est beaucoup tropical, je crois, la planète. Tropical, ouais. Il y a de la neige aussi, mais... Enfin, bon, bref, on verra. Ouais. Merci à toi. Ouais. Là. Ah, merci à toi, Martenaire. Ah. Salut à toutes. Salut à toutes.